Know where it's going, but where has it been? Because we've been tracking Faye for quite a while now, even as it crossed over Cuba here and made its first landfall over and then it moved across the Keys, and then this morning again coming into the Cape Romano area, just south of Marco Island and just south of Naples, Florida. And in Naples, that's where we have our very own Julie Martin. Things look better at this hour in the Naples. You can see the winds at 65 miles an hour. It's moving to the north-northeast at 8 miles an hour. Locally heavy rain and the tornado threat. That continues to be our top story with this system. This tornado watch. Whoa! Escapade Média, bienvenue sur la plage d'Hollywood durant la tempête, l'ouragan, le nom je ne sais pas trop, le 19 août 2008, on a des vents de 50 000 à l'heure, il pleut pas pour le moment, alors c'est pas la raison que j'ai eu la chance de venir filmer. On va aller voir la vue de l'autre côté. Je suis en train de réaliser mon rêve. Les jambes me piquent parce que le sable cogne, le sable revole sur mes jambes. Ça pince. On est le jeudi 18 août 2008. Là, l'ouragan vient de passer. On est deux jours après que l'ouragan soit passé. Je suis à la même place où ce que j'ai filmé dernièrement. Et comme vous pouvez voir, c'est le calme plat. Le soleil est de retour. Mais malheureusement, on ne pourra pas aller à Disney World, à Walt Disney, pour la simple raison, c'est que l'ouragan, c'est à cet endroit qui est rendu maintenant. Fait que ça va être pour une autre fois. Ma petite Océane qui s'en vient ici, elle vient encore me rejoindre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah ben, si bolac, qu'est-ce que t'as pogné là? Aucune idée. Regueil! C'est gros, ça vole-tu ça? Aucune idée, je sais pas. Qu'est-ce que c'est ça? T'as vu voir? Eh non, eh bouille! Eh batin! Oh boy! Ça gigote!
On peut pas monter, ça glisse. Regarde, c'est gros, cette affaire-là. Ça a des grosses cornes. Ça se débat. C'est pas des cornes, ça, c'est des pattes. Je sais pas, un craquerel de Floride, peut-être, un cucaracha. Bon, ben, comme vous pouvez voir, la vie est belle aujourd'hui. Le ciel est bleu. Il y a quelques nuages. On va en profiter. Fait que pour Disney, ça va être pour une autre fois. C'est drôle parce que au moment où on voulait y aller, on s'est dit, ben, vu que l'ouragan touche Miami, Hollywood, où on est actuellement, on s'est dit, nous autres, on va se dépêcher, on va monter vers Orlando. On va dépasser l'ouragan, on va monter plus rapidement. Et on s'est fait avoir en maudit parce que une journée, le lendemain, ça commençait à toucher. Là, c'est en plein cœur. Orlando est englouti par des inondations d'eau. J'ai filmé un peu ça à la télévision, fait que peut-être que je mettrai ça au montage. Alors, au revoir. À prochain voyage. Probablement à Disney World. On va essayer d'y aller plutôt dans la période d'hiver. Moins de danger pour les ouragans. Hey! Papa, des inondations. Gros. Viens, on va la rapprocher un petit peu. Tu l'as adapté, hein? Viens, on va le monter comme ça. Oh boy! On va le manger à soir. Hey, gars, c'est beau de même. Ça fait beau, wow. Oh, tabarda, ça décorne, ça. Check ça. C'est pas des cornes, c'est des pattes. Ah, c'est venimeux, ça. Hey, il va pas l'avoir sur moi. Hey, on est en auto, là. Oh, mon Dieu. Hey, enlevez de l'eau, hein. Hey, patin. Tabarouette. Seigneur. Il y a de la chance qu'on fait, qu'on pile un peu dans l'eau, mais pas dans tout. Ben, comment ça sent déjà, tu sais. J'espère que ça sera pas de même tout le long, hein, parce que moi, j'ai surveillé.